C'est moi qui ai voulu décider de m'inscrire au mini-stage parce que mes notes, elles n'étaient pas assez bonnes. Non, c'est moi qui ai voulu parce que... Et mes parents aussi, ils étaient d'accord quand je me suis inscrite. Bah, c'est un peu nous deux. Moi-même, c'est bon. C'est moi qui voulais venir. En fait, moi, comme je voyais un peu de mauvaises notes dans quelques matières, je commençais à me dire, ouais, pourquoi pas. Ça pourrait m'être utile. Non, je me suis inscrit de moi-même parce que je savais que j'avais un peu des difficultés. En maths. En maths et en français. En français. Mathématiques. Histoire géo et mathématiques. Les maths. En maths. Et... maths. En maths. En maths. En maths, la géométrie. Et en français, la lecture. Les mini-stages, c'est mieux parce que bah déjà ouais on est moins et ils peuvent mieux s'occuper de nous, puis c'est plus décontracté et c'est mieux, on arrive mieux à comprendre comme ça. Bah déjà le mini-stage, déjà on est peu, c'est déjà bien comme ça, moins il y a de personnes et plus la personne a plus de chances d'être interrogée. Moi je préfère plus un mini-stage parce que mini-stage l'enseignant est vraiment derrière nous. Et il peut vous aider quand vous voulez, mais au mini-stage, on peut être aidé, soutenu facilement, c'est mieux. Au mini-stage, on n'est pas beaucoup déjà. Il y a moins d'élèves que dans une classe entière. Ben déjà, en cours normal, ben, on est beaucoup. Donc la professeure, elle ne va pas venir t'expliquer toi en particulier. Or que en mini-stage, on n'est pas beaucoup. Et souvent, ben, le professeur il t'explique à toi. Français, il y avait un exercice où on devait surligner des choses, par exemple les CED et tout ça, et j'arrivais mieux à faire sur Via Scola que à l'écrit. J'aime le type Via Scola parce que ça nous fait rattraper les cours et ça nous fait rappeler ce qu'on a fait au début de l'année. J'ai fait français, histoire géo, vraiment c'est vraiment approfondi, ça enseigne très bien. J'aime bien utiliser Via Scola parce qu'on peut choisir ce qu'on veut faire. Bah, c'est mieux parce que il met des exercices qui peuvent nous aider pour le projet aussi. Bah, je pense que c'est très bien. Enfin, on peut, parce que moi, je n'y allais jamais. Et c'est grâce au mini-stage que j'y vais. Et du coup, je vais y aller chez moi aussi parce qu'on fait beaucoup d'exercices. Ça nous aide en orthographe. En plus, comme on sait les erreurs qu'on a faites, on essaie de ne pas les reproduire. Bien sûr, s'il y en a, je vais m'inscrire directement. Pour moi, juste que ce mini-stage, il est bien, je le conseille à tout le monde. Bah, comme je sais qu'au mois d'avril, il y en a encore, je pense qu'il sera encore mieux rempli, parce que j'y retournerai.